L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à la résistance croissante aux antibiotiques. Selon un rapport publié hier par l'OMS, des infections aujourd'hui considérées comme mineures ou des blessures légères pourraient recommencer à tuer, d'après le directeur général adjoint de l'organisation, le docteur Keiji Fukuda. Ce n'est pas un phénomène régional, ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement les pays pauvres ou les pays en voie de développement ou les pays riches ou développés, cela touche l'ensemble de la planète. En cause, l'usage inapproprié d'antibiotiques, comme le confirme ce microbiologiste de Médecins du Monde. Les deux principaux dangers sont l'usage et la surdose d'antibiotiques dans les usines agroalimentaires et les élevages d'animaux, particulièrement parce que nous utilisons les antibiotiques comme des accélérateurs de croissance depuis des lustres, partout dans le monde. C'est restreint en Europe depuis 2001, mais il y a aussi la surdose en tant que traitement médical. Conséquence de cette résistance aux antimicrobiens, les patients sont malades plus longtemps et le risque de décès augmente.